les réunions se suivent et se ressemblent. On sort. Il admet qu'il a pas trop. Il dit qu'il a travaillé sur le dossier, mais qu'il ne l'a pas rendu public. Mais bon, c'est ce qu'on lui reproche depuis le début. Donc, c'est épuisant ces réunions. On va continuer, de toute façon on va continuer à l'harceler. Hein, parce qu'il faut que ce projet il voie le jour. Quoi. C'est... Vous êtes déçu là par ce qui est la réunion ? Bah oui, on est déçu, on est toujours déçu parce qu'on a rien, on a toujours rien compris. Et puis qui nous dit qu'il a travaillé alors qu'on voit bien, il a pas fait grand chose, sinon on serait pas là. S'il avait pu intervenir à temps, c'est. On n'est pas content parce qu'en fait il avait le destin d'Ecopla dans les mains, il l'a pas fait. Il le dit, il a fait une erreur, il le dit. On peut être sûr d'un truc, c'est que tant que les histoires elles se déroulent à Saint-Vincent-de-Mercure, il n'y a personne qui va bouger son cul. Il y a la porte qui s'ouvre à Bercy, parce qu'ils vont devant le ministère, mais il n'y a pas un mec de Bercy qui est allé à Saint-Vincent-de-Mercure. Donc voilà, l'idée est simple, c'est les amener à la capitale, parce que si tant que ça se passe loin, en fait, la distance géographique, elle fait qu'il y a une distance médiatique, politique et tout ça. Quoi. Je suis arrivée en 2007 et je suis arrivée jusqu'à la liquidation. Je fais partie des 77 salariés qui ont été licenciés le 8 avril. Et je fais également partie du collectif qui souhaite reprendre l'entreprise, mais c'est un projet d'endurance. On s'abrite derrière la décision du tribunal de commerce avec séparation de l'exécutif et du législatif. Moi, c'est ce que j'ai dit à M. Macron. Hein. Je lui ai dit, alors dans ce cas-là, c'est les tribunaux de commerce qui décident de l'avenir du pays. Vous servez à quoi enfin... Mais il suffit, pour les aider, il suffit de les autoriser à le faire. Enfin, ça dépasse l'entendement. Ils ne demandent pas des milliers et des cents, ils demandent d'être autorisés à le faire. Voilà. Bon, donc, je veux dire, à partir de là, c'est à se taper la tête contre les murs ou de l'aluminium s'ils ne sont pas soutenus. Donc, j'espère qu'à un moment donné, parce que je crois que ce matin, ils ont été reçus pas terriblement par le ministère de l'Économie. J'espère qu'à un moment donné, peut-être pour période électorale, c'est peut-être un bon moyen justement de mettre la pression, on va entendre raison. Enfin bon, nous en tout cas, on sera là. Mais si c'est pas seulement en France, on privilégie la finance, c'est le capitalisme aujourd'hui globalisé, c'est de privilégier justement les profits des actionnaires plutôt que l'emploi, d'où par exemple ce système aberrant d'Europe de dumping généralisé, que ce soit entre les États ou même avec les travailleurs détachés. Donc tout est fait pour. Justement, il faut arrêter avec ça. On s'aperçoit une chose, c'est que si vous voulez, ce n'est rentable à aucun niveau. Ce n'est pas rentable pour l'humain, ce n'est pas rentable pour les salariés, ce n'est pas rentable pour l'économie d'une région. Par exemple, leur département, la ville dans laquelle ils sont aura à pâtir d'une fermeture d'entreprise, chacun peut le comprendre. Donc tout ça, c'est un système qui finalement ne nourrit que quelques-uns, voilà, au détriment du plus grand nombre. Voilà, c'est le peuple face à l'oligarchie.